Non, mais c'est parce que là, ça redevient. Les gens commencent à réfléchir un peu parce qu'avec la baisse du prix du lait qu'il y a eu, ce qui coûte le moins cher, c'est l'herbe. Donc après, c'est certain que l'herbe, c'est une culture. Il faut savoir la gérer, il faut savoir la travailler. Et bon, c'est vrai que ça redevient. C'est la méthode de nos parents comme ils travaillaient avant. Hein. Avant, nos parents, ils travaillaient qu'avec de l'herbe. Voilà. Sur la partie herbe, Ouais. chez vous là, quelles sont les problématiques? Alors vous allez me dire, ça dépend des années. L'année dernière, il pleuvait énormément, c'est hyper sec. Mais en gros, Bah, c'est vrai que le temps c'est pas idéal. Là on est plutôt en arrivant en sécheresse quand même alors. Hein. Donc pour les vaches laitières, bon, si on veut du lait, il faut les nourrir. Hein. Donc c'est pour ça que là il y a du complément. On donne déjà le fourrage qu'on a récolté au mois de mai. Hein. Voilà. Mais bon après l'herbe, c'est une culture facile à gérer quand même. Il n'y a pas besoin de matériel sophistiqué, on peut faire tout seul, il n'y a pas besoin il n'y a pas d'intrant à mettre quasiment, je veux dire. En fait, ce qui peut nous intéresser aussi, c'est essayer de comprendre sur votre territoire quels sont les enjeux des éleveurs et Ouais. du coup en quoi l'agroforesterie pour vous c'est une plus-value. Tout à l'heure, la première chose que vous avez dit, c'est une diversification. Donc Bah. c'était l'économie, c'était. Déjà, moi, dans mon système, comme la période des pommes, c'est mois d'octobre, en étant à tout terme, déjà, je ne suis pas embêté avec le maïs et toutes ces choses-là. Donc, j'ai du temps disponible. Après, des pommiers, il y en a depuis mes grands-parents, en fin de compte. Hein, moi, je suis toujours né dedans, hein, tout ça. Donc, je suis en mode biologique depuis 1994, hein, quand même. Donc, après, il y a une dizaine d'années, j'ai repris une parcelle de 3 hectares. Il manquait. Parce qu'il y a 100 pommiers à l'hectare et donc il en manquait une centaine dedans sur 3 hectares. Donc j'ai replanté depuis 2010, je replante. Et en vue aussi d'installer le fiston dans quelques années, hein, pour faire une diversification, pour essayer de ne pas avoir qu'une seule production. Parce que quand il y a des hauts et des bas dans une production, c'est bien d'avoir un atelier à côté pour compenser. Donc voilà, c'est dans cette optique-là. Bon, après, c'est vrai que j'aime bien les vergers, j'aime bien avoir les vaches paître en dessous des pommiers. Non, mais c'est tout un ensemble. Voilà. Mais bon, il faut être dedans. Je veux dire, celui qui a 10 pommiers, il va pas s'en occuper. Il va dire, bon, pour 10 pommiers, c'est bon. Hein. Mais quand on commence à en avoir un certain nombre. Puis après, du pommier haute tige en entretien, c'est pas trop élevé le temps. Il y a juste une taille à l'hiver, hein, pour enlever le gui, puis tailler le bois. Puis après, c'est de l'entretien de la parcelle en fin de compte. Hein. Hein. Puis après, vous avez le ramassage sur le mois d'octobre, et puis voilà. Hein. Me dites pas que c'est trop facile quand même. Non, c'est pas que c'est trop. Non, mais c'est pas trop facile, mais le problème, c'est la mise à fruit des arbres. Faut pas dire je plante parce que c'est quand même un investissement faut compter pas loin de 5 000 euros de l'hectare hein, si on achète tout, si on fait tout et tout ça, donc ça rapporte que dans 10 ans. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui veut se lancer dans ce système-là. Par rapport au bastige, vous plantez un bastige 2-3 ans après, ça y est, hein, ça produit. Hein. Bon, après, c'est un complément, ça permet d'avoir des pommes et puis d'avoir des bêtes en dessous aussi, hein, qui valorisent.